toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 24 avril sur l'hippodrome de Gävle en Suède. Comme toujours, petit retour rapide sur le quintet de la veille qui avait lieu ce mardi sur l'hippodrome d'Happy Valley à Hong Kong. Antoine Hamelin, jockey français de qualité, s'impose avec Aliad Agility, le numéro 3, pendant que la minute quintée donne le tiercé dans le désordre et que Top Prono et Turf Sélection s'illustrent avec le quintet plus dans le désordre. Une fois encore, du côté du concours de pronos gratuits, beaucoup s'illustrent lors d'une arrivée sans grande surprise finalement. Mention spéciale à Fair Mix, Nikki DES et Bassman 07 qui donnent le quintet dans le désordre, les bonnes bases et prennent ainsi les trois premières places du classement du jour. Bravo à eux trois. Allez, direction la Suède en ce vendredi 24 avril 2020 et plus précisément l'hippodrome d'Auby. Le site scandinave propose le tiercé quarté quintet plus du jour en troisième course de la Réunion 1. Sur le parcours des 2140 mètres départ lancé à l'aide de la voiture, 14 femelles âgées de 3 à 7 ans s'affronteront. Avec un nombre un peu plus important de participantes, les rapports pourraient être meilleurs cette fois. Alhambra May, le numéro 11, est une compétitrice de qualité qui venait d'enchaîner 7 victoires de rang avant sa dernière disqualification. Retenons-la en pole position ici, car ce n'est pas le numéro 11 en deuxième ligne derrière la voiture qui va l'empêcher de gagner. Kemom, le numéro 8, avait fait sensation sur cette même piste d'Hobby à la fin du mois de novembre 2019. Avec Orjan Kilström aujourd'hui aux commandes, elle peut faire mal. Vinci IM, le numéro 7, est mis au point par l'extraordinaire Peter Untersteiner. En théorie, elle ne doit jamais sortir des trois premiers ici, malgré un numéro 7 pas forcément avantageux en première ligne. Southwind Queen, le numéro 12, aura contre elle un numéro en deuxième ligne, mais cela ne devrait pas l'empêcher de jouer une place dans les quatre premiers. Sephora, le numéro 1, régulière dans l'ensemble et donnant toujours son maximum, aura logiquement des partisans. Cassiopeia, le numéro 13, terminera notre combinaison en 6 chevaux. En cas de non partant, Hip Heure et Boko, le numéro 14, prendra à leur place dans notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.